Bonjour, mon fils. Oui, bonjour, maman, ça va? Yabou, mais je suis là, hein, j'ai entendu le message et je ne vais pas te laisser tomber, je serai à tes côtés. En tant que fils, vraiment tu peux compter sur moi, il faut te rassurer. C'est une situation qui est difficile, qui concerne tout le monde, mais on va veiller à ce que les souffrances là soient diminuées. Hein, faut te rassurer maintenant que je suis en contact avec toi. Je vais prendre ton numéro, je vais t'appeler directement et toi aussi tu vas me parler directement. Et s'il y a quoi que ce soit, je serai pour toi comme ton propre enfant. Ne t'inquiète pas, c'est fini, on est connecté. Excellence, elle pleure. Pourquoi? Elle est en train de pleurer. Pourquoi? J'ai pas besoin de vos commentaires. Merci, papa. Merci, mon fils. Non, il n'y a pas de problème. Je n'aime pas de garçon. Quand je suis arrivé à Bidjan ici, tous mes deux garçons sont partis, ils sont morts. Merci. Il ne reste que les femmes seulement avec moi. Moi, pour le sait. Mais aujourd'hui, je ne m'en parle pas. Je te remercie beaucoup. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. La vie, je te remercie beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas, je vais t'accoucher. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Non, tout le monde, mes enfants, mes amis vont envoyer ta vidéo et je trouve que tu as été courageuse dans la vie, c'est comme ça. Et moi aussi j'ai été très sensible à ton message, mais tu peux compter sur moi. Depuis que j'ai perdu mon mari en 90, 11e mois, je n'ai plus de soutien. Tous les parents de mon mari sont morts. Je suis seule. C'est ça, je suis pour aller à Korogo avec mes enfants. C'est celle-là qui fait ma vie, qui nous soutient. On est 10, c'est elle qui nous soutient. Elle est tombée malade aussi. La guerre est venue, on est venu à Bidjan ici. Papa, merci. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Je n'ai plus de garçon. J'ai mon petit-fils qui est là-bas qui m'envoie un peu, des fois il grille, il gagne 1000 fois, et puis il m'envoie mon petit-fils. Monsieur, quand là? Je vais prendre ton numéro et on va te donner également mon numéro. On pourra converser directement comme une mère et un fils. D'accord, papa. Hein, papa, papa, merci. Mais Dieu est grand. D'accord, il y a papa, merci. Pour tout le monde. Il n'y a pas de souffrance qui ne s'arrête pas. Il n'y a aucune souffrance qui ne finit pas. Ok? Bon courage, maman. Merci, bon courage, papa. Je te demande de merci, mon fils. Merci, grandement, papa. Voilà, merci, mon fils. Ok? Je vais t'appeler après. Merci, allez, papa. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse aussi. Il ne faut pas te décourager. Il faut toujours espérer. D'accord, maman. Allez, au revoir. Demain. Non, il faut un commentaire d'abord. Oui. Attendez là. L'assistance naturelle. Non, maman. Ce matin, nous sommes venus chez vous. On est venus chez vous par rapport à l'appel vidéo que vous avez envoyé à votre fils, Ahmed Bakayoko, venu d'État, venu de la commune d'Abobo. Donc, par rapport à ça, il nous a envoyé. Nous sommes
nombreux que vous voyez, il y a le chef, il y a le directeur du cabinet, il y a le chef CAP, il y a la directrice des services sociaux culturels, il y a les directeurs, les différents sous-directeurs de la mairie qui sont là. Et tout ce monde s'est déplacé uniquement pour venir vers vous. Au nom du ministre d'État, M. Samuel Bakay Koffi, maire de la commune, qui est votre fils, vous envoyez pour vous remettre tout ce que vous voyez. Vous remettre tout ce que vous voyez. Il a dit de vous remettre ça. Tout c'est pour vous. En dehors de ça, il a donné une enveloppe de 300 000 francs parce que dans tout ça là, vous pouvez faire le marché, vous pouvez faire certaines choses pour manger avec. Et dire aussi qu'au niveau de la mairie, il y a un service socio-culturel que les gens peuvent s'adresser au service socio-culturel. C'est ce service-là qui est habilité à regarder les cas sociaux. Donc, s'il y a quelque chose pour vous, c'est en direct de votre fils. Je ne parle pas de vous. Mais pour d'autres personnes, on s'adresse au service, à une direction des services socio-culturels. Et c'est à ce service-là qu'on s'adresse pour pouvoir répondre aux cas sociaux. Donc, vu et votre appel a été entendu par votre fils, et voilà ce que votre fils vous charge de vous donner ce moment. Au nom du maire Ahmed Bakayoko, pour votre fils que j'ai dit, et aussi avec toute la délégation qui m'accompagne, moi je suis vous, mais je suis de l'Ouest, parce que je vous ai entendu parler. Moi je suis Yakouba de Damami. Donc à vous entendre, je sais déjà que c'est bien pour moi. Merci beaucoup. Service social. Délégation. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. On n'a pas les mots. C'est le soutien de Dieu seulement qu'on lui apporte. On lui dit merci, 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 longue vie. Vraiment, merci. Santé, beaucoup de santé. C'est même plus ce qu'il faut dire. On lui dit merci. Un mot, c'est la merci. Je remercie mon fils, Ahmed Bakayoko. C'est lui qui est mon garçon maintenant. Je n'ai plus de garçon. Je lui dis merci. Que Dieu le soutienne. Que Dieu remplace tout ce qu'il m'a fait là. Dieu remplace ça. Et Dieu, qui a posé au. C'est bon.